Coucou mes amours, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez deviné en écran sonore, on écoute la fameuse chanson, la belle chanson de Manu Dibango, Africa. Aujourd'hui, cette vidéo est dédicacée à Manu Dibango. C'est un hommage qu'on va lui rendre sur notre chaîne, sur la Team Z. On décide de rendre aujourd'hui un très grand hommage à cet artiste qui nous a bercé pendant toute notre jeunesse et qui a bercé des milliers et des milliards de personnes. Manu Dibango nous a quittés à l'âge de 86 ans le 24 mars dernier, de suite de maladie, précisément de corona, et laisse derrière lui trois enfants. Manu Dibango, on ne le présente plus, tout le monde sait avec quoi, avec quel instrument il a été médiatisé. Manu Dibango était un saxophoniste, était, autant pour moi, c'est tellement dur de parler de lui au passé, était un saxophoniste camerounais africain qui nous a régalé pendant de nombreuses années avec ses belles mélodies. Il a eu des fans pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Manu Dibango était aussi un chanteur de jazz, notamment il a joué dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cabarets. Et Manu Dibango, tout au long de sa carrière, a côtoyé également des baos, des géants de la musique africaine avec qui il a fait plusieurs collaborations. On compte parmi ces géants de la musique africaine Youssou N'Dour, Salif Keita, Angélique Kidjo, Papa Wemba. Manu Dibango est connu entre autres pour son magnifique titre Soul Makossa qui a été repris sans son accord par Père son âme Michael Jackson et Rihanna. Il décide de porter plainte de la mener en justice, de faire un procès qu'il gagne également en 2009. Manu Dibango n'était pas qu'un artiste, mais également avec une autre passion, et c'est celle de la radio. Il a été animateur radio pendant près de 20 ans et il a animé sur la chaîne radio Africa Radio. Manu Dibango était un homme engagé et parmi ses engagements, on compte sa participation au concert Libérer Mandela en 1985 auprès de nombreux artistes également. Manu Dibango a reçu de nombreuses décorations, parmi lesquelles le chevalier de la Légion d'honneur qu'il recevra en 2020, le 14 juillet, et la médaille de Vermeil de la ville de Paris qu'il a également reçue par le gouvernement français. Manu Dibango, tu nous as régalé toute ta vie. Tes mélodies m'ont bercé, ont bercé des générations, ont brisé les barrières de la langue, ont brisé les barrières des préjugés. Ta musique n'avait pas de couleur et pour ça, sur la Team Z, on te dit infiniment merci pour tout ce que tu as accompli pour nous.